Eh bien voilà, on va aller à l'attraction Metal Gear en Escape Game et c'est par ici, on va prendre l'ascenseur. Oh, je crois qu'il y a des gens que vous connaissez. Bonjour. Coucou. Numéro 3, c'est ça? Numéro 3. Donc, on est avec Maxime de Jeux Actu. C'est moi. Carole Quinten de Carole Quinten. Ça va? C'est elle. vous êtes prêts? Donc c'est un Escape Game Metal Gear et il vient d'ouvrir aujourd'hui. C'est vrai. En anglais. Donc, exclu, exclu total. Allez, on va découvrir, ouais. C'est parti. Et le... Voilà, qui coûte quand même la modique somme de 500 yens, qui est à peu près 3,50€, à peu près. Bien, ça y est les amis, on va commencer, on va rentrer dans cette pièce incroyable et magique. Et c'est ici que notre mission va débuter. Alors, Maxime, Carole, est-ce que vous avez conscience quand même que nous sommes les tout premiers en langue anglaise? On va inaugurer cette Escape Game Metal Gear. Ring ! Donc attention, c'est parti dans quelques instants. Pénètre à l'intérieur du hall central. Faisons bien attention. Apparemment, il y a peut-être des gardes. On va tous rentrer déjà. Voilà. C'est là. Il y a les soldats, les amis. On s'est infiltrés. Vas-y, on peut y aller. C'est maintenant. Vas-y. On l'a évité celui-là. C'était moins une. Allez, allez. T'as une ration, Max. Vas-y, qu'est-ce que tu dois faire? Faut la scanner. Voilà, Max est en train de scanner la ration. Comme ça, on récupère de la vie. Attention, attention, attention. Attention, il y a un gars. Maxime est en train de scanner. On essaie de débloquer un nouveau passage pour arriver aux nouvelles portes. Il en faut encore une. Une mention. Attends, on va avancer par là. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Il est là. Il va tourner. Il tourne là. Allez-le ! Putain, c'est chaud. C'est chaud, les amis. C'est chaud. Attention, avance, 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 avance. Avance, avance. Je vais me cacher. Je vais me cacher. Come on, let's go.
C'est bon? Go! Allez, c'est parti. Vas-y, rentre. Allez, la porte s'ouvre. C'est parti, les amis. Allez, on rentre. Waouh. Là, il y a un truc pour... Il y a une ration. Voilà. Allez, c'est parti. Attention, il y a des tirs de machines automatiques. Voilà. Là-bas. Attention, là ça tire. Il y a des mitrailleuses automatiques. Vas-y, go, go, go. Vite, 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 vite. Allez, on est passé. On est passé, les amis. Et donc là, il y a des ordinateurs. Là-bas, c'est là-bas. Là-bas. Attention au tir. Max est en train de scanner pendant que Carole est en train de chercher des informations dans les dossiers. Est-ce que c'est bon? On a ce qu'il faut pour partir? Je crois qu'il y a rien. On a un nouvel appel. On a un nouvel appel sur le codec. Go, go, go. Attention. Allez. Allez, go, go, go. C'est là. Max, c'est quoi le code? C'est bon. Allez, go. Go, go. Allez, c'est parti. Wow. Ok, donc là, on est tranquille. Il y a des... Regardez, au sol, il y a des boîtes pour pouvoir se cacher dedans. Et le donner à Frog. Ok, il faut trouver le disque. Où est le disque? Il faut qu'on trouve le disque. Allez, c'est parti. Donc on est numéro B, il faut regarder sur la bonne numéro B. Et s'il y a des cartons, je pense que le gars peut rentrer à l'intérieur, il va pouvoir se cacher dans les cartons. Ce qui rentre ici dedans. Ok, il y a des lockers. Regardez. Là, regarde, tu peux scanner là. Tu peux scanner sur la nana. Bien évidemment, comme dans tous les Metal Gear, il y a des trucs un peu coquinous. Là, il y a un dog tag. Il y a un dog tag. Snake, un message. Dotacon, qu'est-ce que tu fais? Attention, il arrive. Carole, cache-toi. Je suis caché. Je suis caché. Ferme. C'est bon les gars, c'est bon, il est sorti, c'est bon. C'est incroyable. On est vraiment dans Metal Gear. Génial. On est vraiment à fond. C'est génial. Alors, 052. Allez, on a le code. Attends, team number. Attends, il faut les noms. Team member number. Bon, attention. Il est juste derrière moi. Je l'entends. Il est juste là. Je bouge pas. Ça tient pour l'instant, on est bien caché. Je bouge pas. Voilà. C'est pas le F. La menace. C'est pas F. On part, ça y est. On va aller dans l'entrepôt. Vas-y. Attends, vas-y. Ouvre la porte à moitié. Il y a un soldat. Il est juste là. Il y a un soldat juste là. Tu peux y aller. C'est bon. C'est là-bas. Allez-le ! Allez, go. Voilà, c'est là. Là. À la porte. Là. Oh, la porte s'ouvre. Frog. Frog. Oui, Snake. Yes. On rentre. On est avec Frog. Ouf.
Il est en train de regarder des trucs un petit peu coquinous. Oula. How's your progress? Ah, fine. Cool. It's a very difficult mission. Great work. Ah. Okay, I can start analyzing of this. So, and then I'll give you the access code of Armory. On est avec Frog, notre intermédiaire. Il est en train de scanner quelque chose sur le codec pour nous donner plus d'informations encore. Et regardez. Il était en train de lire des trucs un peu coquino. Frog. Thank you, Frog. Great. La mission continue. Allez, on est reparti. Donc on doit aller dans la salle. To the armory. Allez. Oh, je me suis fait avoir. Il m'a tiré dessus, j'ai été blessé. Max, il est blessé. Merde. Allez, allez, c'est parti, c'est maintenant. L'armurerie, l'armurerie. Là, on a quelques secondes devant nous. Il faut tracer, c'est là-bas. Allez, venez. Allez, il nous reste encore quelques minutes. Pour l'instant, ça tient. On va jusqu'à l'armurerie. C'est bon, allez, on entre. Wow. Ok, il y a plein d'armes. C'est bon, ça. Tu peux en mettre ton truc. On est dans l'armurerie. Vous noterez qu'il y a des masques à gaz, etc. Devoir s'arrêter de filmer là, la suite, on va vous la raconter juste après. Alors, c'est magnifique. Ça y est, on est dans la dernière salle, on a réussi à sortir. Max, Carole, allez, on part, il n'y a plus que quelques secondes. T'as scanné, c'est bon? T'as scanné, allez, on part, on sort. Ouais! Ouais! Wouh! We did it! On l'a fait, les amis! On a réussi à avoir le code! Bon, on a utilisé quelques quantités quand même. On a pris des crédits, oui, effectivement. Très peu. C'est 800 yens le crédit supplémentaire, ça vous remet 10 minutes. Mais je peux vous dire que la franchement, passion. On finit dans un état, regardez, relativement pitoyable. Mais on est heureux. Votre sensation. Oh, c'était génial. Immersif. On est dans le jeu, quoi. Immersif, tout simplement. Ils reprennent les codes de Metal Gear avec vraiment même l'IA qui est défaillante. Complètement. Donc, mais certaines fois, il y a des bugs d'IA, c'est-à-dire que le mec reste bloqué dans un mur et bouge comme ça. On peut se cacher dans les cartons, on peut se cacher dans les casiers, c'est exactement le jeu. Il y a la musique quand les soldats rentrent, la musique d'urgence, après quand ils ressortent, ça remet une musique normale. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le jeu, quoi. Il y a rien à dire. Voilà, et puis c'est un travail d'équipe aussi. On doit trouver des codes, on doit trouver des indices, on doit vraiment passer dans toutes les pièces pour trouver évidemment le code de destruction qui empêchera l'usine d'exploser tout simplement. Exactement. Bon, on a eu des lance-missiles, on a récupéré des revolvers, on a rampé. Il y a des choses qu'on n'a pas pu vous montrer et évidemment, on n'a pas voulu vous spoiler. Sur la fin du jeu, comment ça se passe. Mais je peux vous dire qu'il y a des salles qui sont absolument géniales. Donc c'est à Shinjuku, ça s'appelle Mystery Circus et on a surtrippé. Exactement. Voilà. C'est complètement validé, Snake. Snake, bye bye. Freeze. Carole, quel est notre résultat final en petit bonus de fin? On finit avec le rang S, ce qui est vraiment pas mal. Et c'est pas mal, mission complétée en 34 minutes. On s'est pris 9 balles quand même. On a trouvé 8 rations sur 10. C'est Maxime qui a pris les 9. Mais franchement, rang S, bravo. Il a bravo pris la team. La belle équipe. Bah oui, j'ai pris pour vous en fait.